L'évangile de Matthieu, le chapitre 28, le verset 18. Le thème de ce message ce soir, la puissance de Christ. Amen. La puissance de Jésus-Christ. Sa puissance. Et du Paul Guettet ce soir, puisque vraiment pour Paul, c'est la puissance de Christ, la puissance de Dieu, et nous pouvons être comme des personnes qui font l'expérience, comme des personnes comme nous, simples, des personnes comme nous qui ont vraiment des problèmes, des personnes comme nous qui ont des souffrances, des personnes comme nous qui passent par les difficultés de la vie. Ben personne comme nous qui même fin dibout entre la vie et la mort. Et nous pouvons guetter ce soir, comment ça va être cinq personnes comme nous là, comment je vais faire ben l'expérience avec un bon Dieu qui est tout puissant. Amen. Al faire ben l'expérience avec un bon Dieu qui est tout puissant. Donc, nous capables chrétiens, pour faire l'introduction avant de rentrer dans les messages, nous pouvons lire le message, le passage de la parole de Dieu. Nous capables d'être chrétiens, nous capables de vivre l'Église, et il y a des choses qui sont importantes. Si nous capables de vivre l'Église, nous faire tout, nous pouvons venir. Si nous l'équipons même, les fermer, Dieu n'est pas capable de faire rien. Amen, amen. Si nous pouvons vivre l'Église, nous ne pouvons pas réagir à nous la foi, ce qui nous peut entendre, n'a pas atteint rien. Parce qu'il y a beaucoup de merveilles, beaucoup de miracles et de prodiges fait traverser le sac de la foi individuelle de la personne qui ne recevoir cette bénédiction. Amen. Je ne suis pas pris pour la foi. Je ne suis pas mettre action dans la foi. La Bible dit la foi sans œuvre, l'immobile. Si je peux mettre action dans la foi là, si la foi là n'est pas vivante, si la foi là n'est pas excitée, si la foi là n'est pas cherchée, si ça la foi là dans l'immeuble, les peines à confiance, n'a pas atteint un miracle de Dieu. Donc elle sait si la foi, comme un kilogramme mouton, lui suffit ce soir pour recevoir cette une vie cherchée. Amen. Elle sait si la foi, comme un kilogramme mouton, lui suffit ce soir. Lui suffit ce soir. Qui peut passer, qui est là, quand tout tombe, quand tout fonce, quand tout arrive, le séduit ce soir. Pas de simple, tu n'as rien entendu de la foi, mais qui n'a pas douté, ou pas pour sortir la même vie ce soir. Amen, amen, amen. On a besoin qu'il y ait la solution de vos problèmes. Amen. On a besoin qu'il y ait la réponse de la prière. On a besoin de recevoir vos délivrances. Donc Dieu nous peut guetter ce soir. Combien de personnes comme nous, simples, finissent une grande chose avec mon Dieu. On va dire, une personne simple comme nous, finissent une grande chose extraordinaire avec sa bon Dieu qui est tout puissant là. À combien plus forte raison ce soir, pourquoi nous dire qui fait pas nous ce soir. Amen. Qui fait nous, si nous ne pas tirer ce soir. Amen, amen. Nous sommes capables de tirer. Nous sommes capables de tirer. Capables de tirer. Amen. Allez. Donc, Matthieu 28, le verset 18. Parce que nous ne pouvons pas tirer ça avec un Dieu qui n'est pas tendé. Nous ne pouvons pas tirer ça avec un Dieu qui est fabriqué par la main de l'homme. Nous ne pouvons pas tirer ça avec un Dieu qui peut dire, vous êtes capable de faire une catégorie qui chose, une autre catégorie, moi pas capable de faire. Non. Mais nous pouvons le guetter, sa bonté là ce soir, qui est là dans son lame ce soir. Amen. Matthieu 28, 18, m'a fait la lecture. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Nous réunions encore une fois. Tout pouvoir, les poutiers, Jésus-Christ même pour dire. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel. Et sur la terre. Quand il a tout pouvoir dans son lame de la terre, il est capable ou il n'est pas capable? Pas tant de capable ou pas capable?
Dieu là est capable de faire toutes choses. Laisse-nous bénir Dieu pour ses paroles. Père Saint, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, me louer toi, papa, me prier, me bénir toi, mon Dieu, me glorifier toi. Grand, merveilleux, tout puissant, Saint-Esprit de Dieu, me louer toi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Moi exalter, moi donne-toi toute la gloire, moi donne-toi toute l'honneur, parce que vraiment, toi le Dieu qui est tout puissant, toi le Dieu qui toi-même, toi Alpha et Oméga, le commencement et la fin de toutes choses. Béni soit Dieu dans sa grâce, béni soit Dieu dans sa bonté, béni soit Dieu dans sa miséricorde. Seigneur, me bénis-toi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci mon Dieu, à toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance, car vraiment toi le Dieu qui toi avec nous, Seigneur. Merci pour toutes choses, Seigneur. À toi soit toujours vraiment la gloire pour des siècles et des siècles. Amen. Merci notre Dieu. Merci Jésus-Christ. Amen. Et ce soir, nous pouvons guetter dans cette réunion de délivrance ce soir. Nous pouvons guetter puisque Jésus-Christ lui-même lui peut dire « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Et quand nous disons vraiment quand tout pouvoir m'a été donné, c'est à la fin de l'évangile de Matthieu. Quand nous guettons dans sa quatre l'évangile-là, nous avons trouvé combien de qualités miracles extraordinaires bon Dieu il fait pour ben saint monde. Ben du monde qui saint. Ben du monde qui ordinaire. Même finalement, tout à l'heure vous guettez, ben autre personnalité qui balance une quelque chose avec sa Jésus-Christ là. Balance une faire son propre expérience. Donc, puisque nous dire, la parole de Dieu dit pour dire, Jésus-Christ pour dire, tout pouvoir m'a été donné, et m'arriver à comprendre, l'eau, la terre, alors, en tant qu'il m'a chrétien, ben, enfant de Dieu, ben, vraiment personne qui fait accepter Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur, et m'a dire, tout problème qui peut exister, dans la vie, elles offrent à bon Dieu, sa bon Dieu qui tout pouvoir, qui dans son âme est là, il y en a la solution aussi de tous nos problèmes. Amen. Amen. Il y en a la solution de tous nos problèmes. Amen. Qui fait y en a la solution? Parce qu'il y en a tout pouvoir dans son âme. Amen. Veut dire qu'une personne, vous prenez dans un contexte bien riche pour nous comprendre. Pareil qu'on nous dire de l'entreprise ou la tête à la tête de l'État, de gouvernement, quand nous dire sa personne qui persiste à la tête là, il y a un bel pouvoir. Veut dire tout quelque chose les capable de faire qu'il a à sa disposition. À combien plus forte raison maintenant quand Jésus-Christ même lui peut dire tout pouvoir m'a été donné dans les ciels. Et sur la terre, à imaginer maintenant quelle qualité, quelle chose extraordinaire ça Jésus-Christ-là capable de faire pour son peuple. Amen. Et la Bible dit nous dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 8, le verset 2, il parle nous d'un lépreux. La Bible dit dans Matthieu 8, le verset 2, il dit un lépreux c'est un vin qui s'est prosterné devant lui en disant Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Donc, mon version, Jésus descend de la montagne et des foules nombreuses le suivaient. Un lépreux s'approche, se met à genoux devant Jésus et lui dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me guérir. Dans l'autre version, Jésus tend la main, le touche le lépreux en disant, je le veux, sois guéri. La Bible dit, aussitôt que Jésus-Christ fit tout ça, personne qui n'a tête sa lèpre là, sa la lèpre là, instantanément, cet homme l'est guéri. Amen. Donc, comment cet homme, faut me dire, cet homme est
peut-être avant qu'il n'arrive à Jésus-Christ, moi, me dire, l'une business donne beaucoup de merveilles de la part de Jésus-Christ. Amen, amen. Peut-être que beaucoup de personnes vont recevoir beaucoup de miracles et de guérisons. Beaucoup de personnes, peut-être, les trouver, vont gagner des forces. Maintenant, peut-être que nous allons même les dire, vous prenez comme ça pour nous comprendre ce soir. L'autre est guéri, l'autre est guéri, l'autre est guéri, l'autre est guéri. Moi aussi, on a un problème. Moi aussi, on a un malade. Moi aussi, on a une faiblesse qui fait impossible pas guérir. Amen, amen. Qui fait impossible pas guérir. Donc, la Bible dit à sa lèpre-là, l'inhaler vers Jésus-Christ. L'inhaler veut dire pour l'inhaler, malgré qu'il est en souffrance, malgré qu'il soit peut-être à l'époque-là, ce qui t'atteint de la lèpre, tu déclares impur, l'hypothèse bien accueillir dans la société, mal vu, rejeté par la société, amen. Tout du monde qui a un problème, qui a une faiblesse, que la société lui rejette, lui, la main de Jésus-Christ lui ouvert pour sa main. La main de Jésus lui ouvert pour son temps. Parce que Jésus-Christ est venu pour guérir, pour délivrer, pour sauver amen, et pour bénir. Alléluia. Mais cette personne, cette lépreux, moi, mon Dieu, ici, il a fait son expérience. Reste pour nous dans le problème, nous dans la malade, nous dans la souffrance, ou aller plus loin avec Jésus-Christ, ou qui perdra. Ou reste loin avec Jésus-Christ, ou qui perdra. Parfois, vous êtes capable de dire, frère, je suis malade, je suis souffert, je suis perdu, la force, je perds le courage, je perds la force. Peut-être que l'autre tombe dans l'erreur, l'autre peut dire, frère, je suis honteux pour retourner vers Jésus-Christ. Non! Ce n'est pas le moment pour honter, ce n'est pas le moment pour fuir, ce n'est pas le moment pour dire, moi, je ne suis pas capable, amen, mais amen. Au contraire, c'est le moment pour prendre courage. Pour le faire ou l'expérience aussi pour recevoir ou guérison. Amen. Amen, amen, amen. Pour le faire l'expérience. Amen. Combien de témoignages nous entendons quand c'est fin guéri, tumeur fin guéri, tuberculose fin guéri, toutes sortes jusqu'à sida fin guéri. Mauvais Paul de la science, mauvais Paul de sa Jésus-Christ tout-puissant. Amen, amen. Amen. Mais Paul, c'est Dieu qui dit tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Amen. C'est tout pouvoir aussi donné dans la terre, mais pour qui ça l'a, il donne ce pouvoir-là, en qui ça l'a pour servir ça. Ce pouvoir-là, il donne ce pouvoir-là, il est là pour servir ça, pour sauver les enfants. Tout ce qui sert ça. Tout ce qui croit. Tout ce qui atteint les choses de la part de Dieu. Amen. Donc cet homme, au lieu de fuir, au lieu de fuir avec son la honte, parce qu'il atteint de l'épreuve, la lèvre, il y a de la honte. Si vous avez même autres que nous guettons, si vous avez même autres que ça reste dans la montagne, dans une caverne, et tu ne peux pas te coucher avec eux. Dis-moi qu'attend dire Paul, Pierre, Jacques, etc., etc. Moi, mais Paul, ben, apôtre, mais Paul, X, Y, Z, je voulais, il vient d'aller, pas fréquenté, pas touché, pas d'aucune communication avec les autres. Mais seulement, gloire à Dieu, merci Seigneur. Résisté par société, résisté par l'homme. Infréquentable, dis-moi pas fréquent les autres, dis-moi pas content les autres, dis-moi père pour que tu aies ça. Mais Jésus-Christ, lui, il est costé pour savoir du monde amen. Qui est pareil, qui est dans cette maladie. Alléluia. Cet homme me dit, quand il donne partout miracle pour opérer, moi me dire, lui finit dans le courage. Dieu courage. Courage. Lui finit dans le courage. Malgré qu'il y a la lèpre, malgré qu'il cela il y a l'odeur, malgré cela peut-être il y a un microbe, mais il vient la courage, il met sur la honte des côtés, il met vraiment, sur vraiment peut-être, sur un doute des côtés, dire ce qu'il dit, arrive ce qui arrive, moi aussi mal fait mon expérience, laisse-moi le prendre mon miracle. Et là, quand il costé vers Jésus, il dit si tu le veux, tu peux me rendre pur. Amen.
Jésus pas gagne délicat. Alléluia. Jésus pas gagne délicat pour guérir. Jésus non plus pas gagne honte pour guérir. Amen, amen, amen. Mais les qui est content avec son amour. Amen, amen. Parce qu'il y a un bon Dieu, les tout puissants. Amen. Amen, amen, amen. Donc, il fait son expérience. En faisant son expérience, il fait une récit tirée. Il a tiré ensemble. Il récit tirer son miracle. Ce miracle, nous miracle, pas trop dans la main d'homme. Nous miracle, pas trop dans la religion. Amen. Nous miracle, pas trop dans qui que ce soit, ici-bas, matériel. Nous miracle, c'est pas qu'à une casse de coco, fin au fait une banane, fin au fait un gâteau. Nous miracle pas là-dedans. Nous miracle, lui dans la main, un bon Dieu tout puissant, son nom est Jésus. Amen. Nous miracle. Mais chaque personne a besoin de courage pour lui coster, il apprend son miracle. Le capable de dire, frère, ceci, cela, ça peut arriver moi, ça peut passer dans mon cas, ça peut passer dans mon foyer, ça peut passer dans la vie de mon mari, ça peut passer dans la vie de mon famille, tout peut passer, tout peut passer, oui, tout peut passer. Il y a un problème, ça, tout peut passer. Mais seulement, il y a une solution. Il y a une solution. Mais c'est une solution dans la main de Jésus-Christ. Amen. Mais seulement, il faudrait la courage. Le diable est là pour mettre vraiment ma doute, ma pensée, ma parole négative pour empêcher toi d'aller. Mais au contraire, mets tout de côté. C'est toi qui vas chercher. Amen. Quand tu as le courage pour chercher, c'est toi qui vas gagner. Chaque chrétien, il vient faire son expérience personnelle avec sa bon Dieu. Et la Bible dit à nous, nous pourrions plusieurs versets ce soir, nous parler comment ma personne fait faire ben, l'expérience. Quand nous disons faire l'expérience, c'est faire dire ce qu'ils ont besoin. Venez m'arriver à comprendre tout ce qu'ils ont fait bon Dieu et non, les bisins, les trous de la main sur bon Dieu. Amen. Tout. Et surtout nous dire, les besoins selon la volonté de Dieu. Amen. Si la volonté de Dieu, dans le plan de Dieu, moi me dire, demandez, tout pour recevoir. Amen. Amen. La Bible pour nous aussi dans Luc, le chapitre 7, le verset 7. Nous venons la Bible pour nous suivre, nous guider. Nous trouvons comment un lépreux. Il a fait son expérience. Et la Bible dit, dès que Jésus-Christ fit tous sa lèpre là, instantanément, il guérit instantanément. Dès qu'il touchait. Mais seulement avant que Jésus-Christ ait touché, cet homme fut besoin de courage pour y aller à Jésus-Christ. C'est ce qu'il nous dit, Dieu pour dire, fais un premier pas. Le reste pas, moi qui vous fais. Amen. Ça premier pas la guerre. Ça premier pas là. Un quelqu'un qui est malade, un quelqu'un qui est découragé, un quelqu'un qui est tombé dans son avis, un quelqu'un qui est biaisé dans son avis, fais un premier pas. Et il a courage pour faire un premier pas. Et quand on fait un premier pas, ne reste pas, c'est Dieu qui peut faire pour venir toucher toi, pour guérir toi, pour délivrer toi. Amen. Mais fais un premier pas. Pas hésiter pour faire un premier pas. Beaucoup peur pour faire un premier pas. Qui bon Dieu pour dire? Qui bon Dieu pour penser le roi? Non, bon Dieu peut l'aider pour dire pour toi. Bon Dieu peut l'aider pour penser le roi. L'importance, tu peux arriver à faire confiance dans un moment difficile là. Parce que la Bible dit, Satan, le diable, est venu pour acquiser, pour piétiner nous, pour craser nous, pour égoser. Il est venu pour craser, pour égoser, pour tuer, etc. Mais Jésus-Christ est venu pour délivrer. Amen. Quand Jésus-Christ vient pour délivrer, il ne pose pas question. Amen. Il n'est pas bien ça, les prêts là. Qui te le fait pour te gagner ça? Qui pèsait te le faire? Qui irait à te le faire? Qui malédiction peut peser le toit? Qui vraiment te fait? Non, il n'y a pas de poser aucune question. Il n'y a pas de poser aucune question. Mais c'est moi qui donne la courage pour coucher. Amen.
bien la courage. Si tu prends la courage pour coster, pour t'apprendre ce que Dieu finit de garder pour toi, c'est toi qui perds. Amen, amen, amen. Si tu hésites, toi qui perds. Si tu tiques, toi qui perds. Si tu écoutes la voix du diable, toi qui perds. Si tu écoutes un homme qui perd la foi, tu écoutes ce que c'est négatif, toi qui perds. Mais si tu écoutes celui qui vient pour consoler toi, le Saint-Esprit qui console toi, le Saint-Esprit qui encourage toi, si tu écoutes sur la voix, tu prends courage, moi mon Dieu, tu prends de bénédiction au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Et la Bible parle nous dans l'évangile de Luc, chapitre 7, le verset 7. L'idée est le centenaire romain. L'idée vraiment, il parle nous de ces centenaires romains. La Bible dit que ces centenaires romains, il y a la haine de son serviteur qui est grièvement malade. L'évêque finit, l'évêque vient Jésus-Christ, l'évêque raconte, l'évêque amène sur souffrance, l'évêque amène sur la peine, l'évêque amène sur problème, l'évêque amène sur difficulté. L'évêque vient vers Jésus-Christ, l'évêque mon serviteur est grièvement malade à la maison. L'évêque est malade à la maison, mon serviteur. Jésus-Christ, maintenant, j'ai dit comme ça, nous allons mauvais avec toi, et moi, pose les mains ton serviteur pour lui pour finir guérir. Quelle parole de l'assurance. Jésus-Christ, même peut dire, nous allons mauvais dans toi. Amène-moi avec toi. Moi, pose la main à ce serviteur-là, ton serviteur, pour finir guérir. Quelle parole de l'encouragement. Amen. Quelle parole de l'assurance nous capable de dire. Plus grande l'assurance qui s'acquittonnait. Mais que cet homme, comment il peut faire l'expérience? Pourtant, il y a un chef, un centenaire romain. Comment il peut faire l'expérience? Et il peut faire une expérience de longue distance. Amen, amen, amen. De longue distance. Même plus que pas une famille qui côté il était, qui pays il était. Parfois, il est capable d'une grande difficulté. Il est capable de te connaître. Mais toi, tu as la prière de la mission. Mais priez pour moi. Et là, tu te connais. Tu es trop loin. Tu ne sais pas avion pour venir que toi, je dois prendre un avion pour venir. Mais laisse-moi dire quelque chose. Quand il était de Jésus-Christ tout puissant par mes avions. Parce qu'en même instant, les portes et en esprit. Amen. Amen, amen. D'un clin d'œil, amen. D'une faction seconde, peut-être tu peux lui faire cause en toi, tu peux encore peut-être encourager-lui, tu peux encore donner ma parole pour donner l'assurance, pour réconforter-lui. Donc on peut dire, mais c'est moi qui peux causer de la foi, tu peux parler de ça Jésus-Christ là. Donc on peut causer de ça Jésus-Christ là. Donc on peut causer de sa merveille de ça Jésus-Christ là. Donc on peut causer même en notre téléphone là. Là-bas, il finit guéri, touché par Dieu. Amen. Et cet homme, il a fait une expérience de longue distance. L'idée maître, Rabbi, je ne suis pas dit que tu rentres sous les toits de ma maison. Mais là, quand mon serviteur a été, Dieu seulement un mot, et me connaît, il vous finit guéri. Amen. Quelle expérience! Quelle expérience! Quelle expérience! Là, quand tu étais, premièrement, Jésus fut venu rassurer, nous allons venir en toi. Moi, pose la main à ton serviteur, les pour finir guéri. Les pour finir guéri, une parole de confiance, les une parole de l'assurance, les une parole qui excite sur la foi. Moi, je veux dire, quand il gagne sa parole aime, il excite sur la foi. Il dit, hey, je ne suis pas dit que tu rentres sous le toit de ma maison. Amen. Mais la côte de tes seigneurs, tu as seulement un mot, mais me connais, l'assurance, mais me connais sur la foi.
combattit avec un mouton, parce que c'est pas un enfant de Dieu, c'est pas un chrétien, c'est pas mon pensée, il ne tente pas de Jésus. Il met ce chef qui était, sur l'autorité qui était, et amen, ce pouvoir qui est là, il met lui des côtés, il jette lui des côtés, mais il prend le courage pour venir devant Jésus comme un saint homme. Dieu seul, mon Dieu. Amen. Amen. Dieu seul, un mot. Quelle expérience. Amen, amen. Quelle expérience. Il est capable d'un centenaire romain. Mais il y a un homme comme nous. Si tu as ce bagage, tu as ce uniforme, il y a un homme comme nous. Il n'est pas de suivre Jésus-Christ, il n'est pas de mort sans Jésus-Christ. Mon monsieur, il tente pas de Jésus-Christ. Dans le temple de ton bon Dieu. Dans le temple de ton Jésus-Christ. Quelle expérience. Amen. Attends toute cette soirée. Amen. Quelle expérience. Qui fait chrétien de Dieu pas capable. Qui fait chrétien de Dieu impossible. Tout le monde, c'est qu'un grand bon Dieu, tout pouvoir m'a été donné. Dans le ciel, sur la terre, tout le pouvoir dans son âme, tout. Ça la terre, il y a comme une boule, comme une canette dans son âme, ça. Alléluia. Une canette, ça. Tout le pouvoir. Ça veut dire le cérémon là, c'est dans son âme, ça. C'est toi qui nous accompagne ce qui t'a besoin dans ton âme. C'est toi qui nous accompagne faire ton expérience. Donc, cet homme, et la Bible dit nous, pendant qu'il peut causer, il peut aller même sur un serviteur fini, qui vient déclarer. Ce serviteur fini, à qui l'est, il y a qui l'est ça? De l'air, ça l'est l'ami qui peut causer. Amen. Tu peux causer, tu peux dire, tu peux dire, Dieu seulement mot. Un seul mot, Dieu, tu peux dire ça l'air, amen. Ça même si tu peux dire ça l'air là. Dieu est mot. Amen, amen. Et là-bas, miracle a fini d'opérer. Quelle merveille. Alléluia. Dieu a l'expérience. L'expérience. C'est la science qui qu'on fait de grandes expériences dans son laboratoire. Mais toi, en tant que vraiment te dans les pâturages de ton Créateur, qui a été l'expérience extraordinaire que vous avez fait. Amen. C'est ça qui fait un chrétien croître spirituellement. C'est comme ça qu'un chrétien grandit. Chaque jour, chrétien grandit. Chaque jour, chrétien peut faire un petit saut nouveau. Chaque jour, chrétien a un nouveau développement dans son âme. Chaque jour, chrétien, quand il passe devant l'épreuve, il passe devant l'étape difficile. Est-ce qu'il m'envoie la cause? Chaque fois qu'un chrétien trouve dans l'épreuve, trouve dans le moment difficile, trouve dans une situation critique, c'est la même chrétien. Dieu met toi debout. C'est la même Dieu met toi debout. Dieu peut t'entendre dire causer. Fais ton expérience. Amen. Fais ton expérience. Amen, amen, amen. Prends ton courage, vini. Moi, t'as un doigt, vini. Amen. Prends ton problème, vini. Prends courage, toi, vini. Prends ton courage, toi, vini. C'est la même Dieu, t'as un doigt. Tu fais dans l'épreuve là, ça l'épreuve là, un homme pour te grandir ça. Amen. Tu fais dans un problème là, ça problème là, une levée pour te faire une grande expérience aujourd'hui. Qui fait ça qui sont dans l'arrivée aujourd'hui? Il est arrivé aujourd'hui. Oui, tu es bizarre arrivé ça. Toi, tu ne pas connais qui fait, il est bizarre arrivé toi. Mais tu es bizarre arrivé ça. Tu es bizarre arrivé parce qu'ils ont dit, bon Dieu, tu as envie de faire toi, faire un pas en plus dans ton la foi. Et tu as envie de bouger de la foi aujourd'hui. C'est ce courage qui te dit bizarre non pour faire ça un pas. Courage. Dis courage. Courage. C'est courage là qui te bizarre. Bon Dieu, pas tant de joie. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, l'eau, la terre. L'eau, la terre, tout pouvoir, il peut attendre toi. Il peut attendre toi, costé. Venez.
Prends quoi? Vini, prends. Seigneur, ne pas te dire, pas vini, Dieu de vini. Amen. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, qui êtes chargés. Vini, habite-toi. Seigneur, ça problème là, tout le monde, prends le tourment, tout vini, vini. Et la croix, c'est moi. Amen, 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 amen. Les centenaires romains, bien faire l'expérience de longue distance. Extraordinaire ça. Il peut faire une expérience, il a voir dans notre serviteur, à cesse sa maladie de venir. Parce que Jésus dit, il propose la main. Les bons dieux font un calice à mener, nous amène Jésus-Christ à la maison parce que le maître dit, lui pour poser la main, lui pour bien. Non! Il a envie de trouver quelque chose. Il a envie de trouver quelque chose encore plus extraordinaire. Amen. En l'autre mot, peut-être que ça va être du monde qui lui fait un miracle instantanément en place là. Moi, je dis, c'est tant qu'un petit peu là. Mais d'ailleurs, moi, je ne vais pas faire l'autre expérience plus grand qu'ils ont sorti. Tu comprends ce soir-là? Alléluia. Ceux qui ne comprennent pas, pose question ce soir. Posez. Mais pourquoi pour vous sortir là, pareil, comment le rentrer ce soir? Amen, 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 amen. Moi, mon Dieu, cet homme, si prends lui, amène-lui au milieu de la foule, devant tout le monde qui recevait un miracle là, et tu vous dis, ben là, toi, tu descends toi sur le toit de la maison, tu descends toi, toi, quand tu descends, toi, tu amènes toi devant Jésus-Christ. Tu vous dis, l'autre là, toi, bon, tu mets, quand tu veux passer, tu te crier, fils de David, et puis Jésus-moi, toi, sur place, instantanément. L'autre qui s'est paralysé pendant le paralytique devant la piscine disait peut-être, toi, ton là, ton tu banané qui est malade, mais la personne qui est toi dans la piscine, à chaque fois par l'eau est agitée, par toi, et l'autre qui finit de rentrer. Mais c'est mort, Jésus-Christ, il faudrait lui coster en toi, il dit, lève-toi, prends ton lit et mort, ton gain de sens, ton monde, ton aller. Moi, je suis venu dans la foule là, tu me raisonnes comme ça. Il vous dit, hey, moi, mon frère, un plus grand expérience. Amen. Moi, je fais plus grand expérience qu'ils ont. J'ai eu un miracle. Moi, c'est mon grand miracle. Mais c'est moi mon grand miracle et une grande expérience. Moi, mon Dieu, Jésus, pas plus à même de vivre que moi. Le Dieu, il parle que moi. Vous dites amen. Moi, mon Dieu, pas plus à venir que moi. Moi, mon Dieu, c'est mon maître. Pour moi, mon expérience plus grand que pour toi. Mon point de façon que je comprends. Moi, je rentre dans mes salles ce soir. Je vous ai rentré dans mes salles ce soir. Et je délivrance la même ce soir. Amen. 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 Moi, vous dites, vous dites maintenant, mais moi, je fais notre expérience. Moi, vous dites, pas vu comme moi-même, mon Dieu. Mon Dieu, c'est seulement un mot. Moi, je fais l'expérience avec ce parole. Amen. Et la Bible dit, quand le résultat est venu, les centenaires romains, ce serviteur, fini guéri. Amen. Et nous guettons encore un verset, deux versets vont terminer. La Bible dit nous dans l'évangile de Jean. Ouvrez-nous la Bible. Et que le reste, on ne peut pas faire une délivrance ensemble. L'évangile de Jean, chapitre 11. Vous prenez à partir du verset 21-22. Jean 11, 22, 21. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Mais même maintenant, Dieu te donnera tout ce que tu lui demanderas. Et bien, dis ça à Jésus. J'en suis sûr. Jésus lui dit, ton frère se relèvera de la mort. Amen. Marthe lui répondit, oui, je le sais. Donc, la Bible parle nous de Marthe. Marthe parle de qui? Marthe, tu veux guette Jésus-Christ pour son frère Lazare. Mais écoute ça l'expérience là ce soir. Lazare! Lazare finement, 4 jours de tombeau, les confins décomposés. Ça même nous dire, quand Jésus-Christ il dit à tout pouvoir m'a été donné dans le ciel sur la terre, quelle chose que le bon Dieu n'est pas capable de faire? Quelle chose? Vous connaissez qui fait beaucoup de choses pas réalisées dans la vie en tant que chrétien.
Vous connaissez qui fait parfois chrétien, il reste seulement chrétien, ça aime tout. Chrétien, c'est tout. Une chrétienne, c'est tout. Et tout l'autre peut guérir, l'autre peut délivrer. Mais c'est pas jamais lui, ce problème pas résoudre. Au contraire, tout le monde dit, frère, que le problème peut plus empirer. Il peut vivre plus pire. Mais vous priez, frère, mais vous pouvez vivre plus pire. Vous connaissez qui fait? Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens pleins de courage pour coûter mon Dieu. Et beaucoup de chrétiens ne sont pas arrivés à faire l'expérience en Dieu. Je ne sais pas connaître qui a pas fait l'expérience. Je pensais que n'importe quelque chose qui est là peut stacker, bon Dieu exécute nous l'ordre. Bon Dieu obligé de galoper les vignes, il vient rendre service. Non! Pas comme ça, ça fausse ça. Dieu peut venir rendre nous service. Lui. Amen, amen. Dieu peut travailler en nous. Lui. Amen, amen. Non! Dieu est là 24 sur 24, 7 sur 7. Il attend quand toi tu es en courage pour venir vers lui. Toi aussi tu viens faire l'expérience en tant que de ses enfants. La Bible qui dit. Le Saint-Esprit qui est venu comme quoi? Pour enseigner toute la vérité. Mais maintenant, quand le Saint-Esprit enseigne nous toute la vérité, quand on peut voir la vérité, il peut pour nous les merveilles de Jésus. Et le Saint-Esprit, la Bible de Jésus, pour dire, le Saint-Esprit n'est pas pour vous dire aux autres qui sont de lui-même. Il est pour vous dire aux autres tout qui sont de moi. C'est parce qu'il est témoin de tout ce qu'ils vont faire, il est témoin. C'est de moi, de ma part, qu'il est venu causer. Veut dire qu'il est venu causer, il raconte nous tout sa merveille qu'il nous fait là. Mais quand on donne tout sa merveille là, il nous vient nous léger, il débouche nos oreilles, il excite nous la foi. Mais qui nous fait être chrétien? Narcisse tranquille? Nous restons loin à mon Dieu? Nous attendons bon Dieu là, il vient nous visiter nous. Non! C'est la même chrétien, maintenant tout ce que le Saint-Esprit enseigne toi, elle fait ton expérience. Elle fait ton expérience avec un Dieu qui possède toute la merveille et aussi il y en a toute la solution de ton problème. Elle tient ta solution. Elle tient ta solution. Elle prend ta solution, elle prend ce qui t'a besoin, selon sa volonté. Et moi, mon cher, bel et bien, de vous réussir, de vous capable. Et la Bible nous montre, moi, dis comme ça, Seigneur, si toi tu l'as, mon frère Lazare, parti pour moi. Il connaît qui Jésus-Christ était et qui est capable de faire aussi. Quand Fidjali te connaît, ton frère, et pour ressusciter, dis oui, moi connais pour ressusciter. Amène devant le tombeau, dis ôte la pierre, Marie est morte. Je peux dire, Seigneur, 4 jours le tombeau est décomposé. Jésus peut dire, ôte la pierre, levez avancer. Il a courage pour l'avance la pierre. Il a courage. Faut le courage pour exécuter. Quand il aime l'autre. Quand il peut dire où? Il peut montrer aux solutions comment je vais sortir là-dedans. Qu'est-ce que je vais faire pour sortir? Je vais exécuter. Quand il enlève la pierre, aucun hasard de sortir, aucun mazik. En passe, je vais faire passe ici au premier. Je dois vous rappeler ça pour le femme là-dedans. Elle me dit, frère, fais-tu passe là? Moi, je dis, fais passe ici. Elle me dit, ça. Nous disons, là, ici, prier. Il y a l'air d'aller prier. Non! Il n'a pas fait ni passe, il n'a pas fait ni masique, mais il fait miracle. Amen. Il fait miracle. Et quand on ôte la pierre, on qui est sorti? Pouvoir là dans qui? Puissance là dans qui? Dans ce pas? Dans ce pas? Dans ce pas? Là dans, puissance là pour là dedans. Là-dedans, qui puissance l'a aidé. Amen, amen, amen. Où sont les choses là-dedans, lui? Où sont les choses pendant X, Y, Z, capitaliste et... Non, 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 non.
Au puissant, au miracle par les données. Au miracle dans ce parole qui lit tout puis tout puissant. Mais là, comme moi, tu enlèves la pierre. Jésus qui fait, il dit seulement un mot. Un mot. Lazare, sort. Un seul mot. Et Marthe et Marie, quand il dit ça, ben après un costé au lit, ben Jésus, qui te peut gagner? Il y a un loulet qui saute au médium. Non? Ben là, il attend. Tu viens faire à? Attends. Amen. Bizarre, attends. Amen. On va faire l'expérience. Attends le résultat. Amen. Tu attends le résultat? Attends le résultat. Il attend. Parce qu'il a sorti dans beau, la porte, lui. Quand il vient sortir, il vient du pied, il est sorti. La sorte, il est en dedans. Pour lui prendre en dedans, il sorti. Bizarre, à? Attends. Vous trouvez miracle là, bizarre? Attends. Chrétien, peine la patience, on dit peut stacker. Si il peut stacker, il n'y a pas de main, il y a aller. Il n'y a pas de gagner. Tu sais, il peut stacker automatique. Tu vois, tu es habitué à faire l'auto automatique. Ah, bon Dieu, c'est quoi automatique? Non, bon Dieu, pour respecter ton main. Amen. Il faut que tu souris. Amen. Alléluia. Attends, dis attends. Quand prier, attends. Quand tu fais l'expérience, attends le résultat de la pauvreté. Mais pendant que tu peux attendre, maintenir ou la foi. Maintenir la foi. Attends, maintenir la foi. Maintenir ou la foi. Prouver, n'a pas trouvé, maintenir. Lazare sort, mort et mari, maintenir. Attends, pas pour tout dire. Après, tu vas du monde blanc sorti, une enveloppé. Jésus, pour dire, il pour dire, en l'autre, bien mort, Marie, tu l'attends. Je disais, si mon tila n'est pas pour moi, mon là, mon pas là. Mais quand mon vini, et non, miracle. Amen. Mon là, mon pas là. Le diable, il fait son bal. Mais quand tu vraiment te prends courage, tu vis vers Jésus-Christ, et non, solution. Amen. Donc, pour terminer, la Bible parle nous d'un manque. Le chapitre 5, le verset 35, la Bible parle nous de la fille de Jaïrus. La fille de Jaïrus. La Bible est comme ça. La fille de Jaïrus, nous venons la Bible dans Marc. Nous terminons la même. Nous bon, venons la Bible ce soir. Nous pouvons trouver quoi miracle a été. Miracle pas loin avec nous. Miracle dit dans la parole. C'est dans la parole. C'est moi, malgré mal sens, parfois dès qu'il nous sortit de l'église, nous prend la parole, nous pose dit l'eau l'homme. Quand le problème là vini, l'homme là trop haut, nous c'est trop bas, nous l'avons pas arrivé, nous prenons la parole. Là, c'est dimanche qu'un matin, nous l'ipier du long, mais là, nous gagnons pour tiède. Mais tu restes avec la parole, qui te bouquait? Tu comprends ce soir? Amen. Donc, tant que tu retrouves la parole, c'est toi qui perds. Dans Marc, le chapitre 5, le termine là. Chapitre 5, le verset 35. Pour nous, les Aïrus, c'est la même. So. Oui. C'est bon? Oui. 5, 35. Voilà. Jésus guérit, 5, 35. Voilà que Jésus dit cela, des gens arrivent de la maison des Aïrus et ils disent à celui-ci, ta fille est morte, ne dérange plus le maître. Mais Jésus a entendu ces mots et il dit, Et il dit au chef de la maison de prière, n'aie pas peur, crois seulement. Amen. Jaïrus se trouvait grièvement malade. Jésus parle dans la maison quand Jaïrus va prier pour son fils. Le message divin, il dit comme ça, pendant qu'il peut aller sur la route, il dit à Jaïrus, c'est trop tard, ton fils est fini mort. Et Jésus fait une rachure à Jaïrus. Pas peur. Pas gagner trois cas.
mais croise-le. Amen, amen, amen. Croise-le. Et la Bible dit quand il rentre dans la maison de Zaïrus, la case est finie remplie, et voilà, il finit, ben il dit, il met l'eau sur le canapé. Est-ce qu'il est trop tard pour mon Dieu? Non. Ton problème trop tard? Non. Docteur capable de dire ton malade est trop tard. Dans trop tard là, bon Dieu fait grand miracle. Amen. La Bible dit Jésus-Christ il rentre dans la maison, mais tout du haut, pour son disciple, et vraiment, qu'il est fait faire? Et il saisit l'enfant par la main et lui dit, Talita Kumi veut dire, jeune fille, lève-toi. Quelle expérience de Zaïrus. L'expérience qu'Isaïrus a fait, suffit enfant qui ne finit mort, l'indro ressuscité divin solution. Il fait un courage pour aller à Jésus-Christ là. Il fait un courage pour raconter ce problème de ses enfants. Donc c'est pour ça que nous allons terminer. Sa chrétien, les besoins faire sa propre expérience. Si tu n'as pas envie de trouver non arrivé, si tu n'as pas espéré un miracle dans un impossible là, si tu n'as pas espéré un miracle que bon Dieu vienne condamner dans un degré, si tu n'as pas espéré un miracle, pas pour un miracle. Si tu n'as pas perçoif un miracle, sauf que dans tout ce que je veux dire, bon Dieu, sa volonté de faire. Il arrive une l'air, une qui chose, ça a un plan, la volonté de bon Dieu, ça y a une autre. Mais une qui chose tu connais, qui dit mon âge est bien et en bonne santé. Il fait l'attaque de la part de l'ennemi. Elle la casse péroule bien, un foyer péroule bien, une famille péroule bien. Un moment donné, elle l'attaque, elle contre l'attaque. Tu connais ça, l'attaque là, ça contre l'attaque là, l'épavine de Dieu. Ton devoir, ce n'est pas à 6h matin tantôt, prendre à calame, mettre l'eau dans la tête, faire ton tension monter, faire ton diabète monter, faire ton cholestérol monter, après ton cytotractolili, ça n'a pas encore bon Dieu. Quand tu peux passer dans cette circonstance-là, tu es un enfant bon Dieu, tu connais la grandeur de ton bon Dieu, c'est le moment pour débuter. Pour faire l'expérience de ça, la foi, comment tu la grèves autant. Amen. Pour dire ce qui est bon Dieu, puis finir gardé tout le temps. Un chant comme Dieu. Moi avancer, pour me prendre ce qui est bon Dieu, fini de moi, fini de donner, à le prendre, et la courage. Amen. Dieu la courage. Et la courage. Tel comment tu étais, tel comment tu devais passer, tel comment 50 ans et n'a pas. Donc, que nous guettons cette personne-là qui a l'expérience de faire dans notre vie. Pourquoi pas nous aussi ne pas faire une expérience en tant que chrétien? Et je peux trouver, fur et à mesure, à chaque fois que tu déboutes devant l'épreuve, devant un problème, à le faire de l'expérience. Donc, il y a une victoire là-dedans, un autre épreuve pour venir. Tu as fait ton expérience. Tu as avec toi là-dedans un autre. Qui fait tout ça dans l'épreuve là pour venir? Il y en a sur raison. Dieu vous permet un rayon de délivrance pour presto là. Qui fait et dans l'épreuve? Qui fait un chrétien? Puis un passeport l'épreuve. Pour qui raison? Donc, dans toutes les choses, nous disons maintenant, toutes les choses qui arrivent, toutes les choses qui nous faire les pour la gloire. Amen. Et ce soir maintenant, nous coupons la tête, nous bénissons Dieu pour sauver la vie. La souffrance de Jésus-Christ sur la croix est quelque chose de difficile pour comprendre. Ce bon camarade qui crie à lui, ben a fini arrêté lui et condamné à mort alors qu'il était innocent. Ben a fini battu lui et il a un coup de fouet. Un couronne d'épines sur la tête, il sortit sur la croix avec douleur jusqu'à Golgotha. Pendant toute longue ce trajet, Dimon t'y battre, maltraite lui, crache le lit. Mais Jésus pas de regard en arrière. Au contraire, il continue, avancer. Jésus t'y capable évite la croix. Faire du fait tomber depuis dans le ciel. Ou ça ordonne ce banange vient s'écouler. Mais Jésus pas t'y intéressé pour sauver lui-même. Mais il peut faire tout ça là pour sauver toi.
chaque détail de Jésus au sacrifice qui font partie du plan parfait de Dieu pour rapprocher-toi de lui. Si aujourd'hui tu écoutes ce message-là, connais que Dieu compte en toi, tu n'as valeur pour lui, il a un plan merveilleux pour toi. Dis, répète ça la prière-là avec moi, fais-le de tout le cœur. Dis, Seigneur Jésus, je viens devant toi, comment m'a été. Pardonne-moi mon bonne faute, pardonne-moi mon bonne erreur. À partir d'aujourd'hui, me reconnaître que tu es le Fils du Dieu vivant, tu es venu la terre, tu donnes la vie pour moi dans la croix. M'accepter toi comme Seigneur et mon Sauveur personnel. Viens habiter dans mon cœur. Me faire de toi mon Seigneur et mon Sauveur. À partir d'aujourd'hui, chaque seconde de la vie n'appartient à toi. À partir d'aujourd'hui et pour l'éternité, me reconnaître que mon enfant bon Dieu. Je dis à merci Jésus, te compte en moi. Merci Papa et merci Saint-Esprit. Alléluia, me donne-toi toute chaque partie de moi-même. Si tu me fais la prière de tout le cœur, nous avons envie de prier pour toi. Viens en avec nous. L'église Seal Church, Glen Park, Vaqua. Ou sinon, trouve une église qui est plus près de chez toi, que tu es capable de prier pour toi, encadrer toi et montrer toi l'amour de Dieu. Sois béni dans le nom de Jésus. À bientôt.